Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va tout simplement jouer à Clash Royale et on va se faire un maximum d'attaques, précisément 3 attaques. On va prendre ce deck pour faire ses attaques, bah ouais, bah c'est... voilà, j'ai envie de prendre celui-là donc je prends celui-là. Donc on va tout simplement prendre ce deck et ce qu'on va faire c'est à la place du bombardier, on va tout simplement tester. Bon certes, entre niveau 8 et niveau 1, il y a une différence, mais c'est pas très grave. Voilà, on va quand même l'essayer. Entre niveau 8 et niveau 1, il y a une grosse différence. Enfin bon, donc là, il y a combien? 289. Ouais, bon, c'est à la limite, on s'en fout. 111 et 212, ok. Voilà, donc lui, qu'est-ce qu'il me donne? 21. Oh là 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 là. Ah ouais. Ah, c'est... Ouais. C'est différent. C'est différent. J'avoue que là, ça me pose une grosse colle, là. Je sais pas si j'échangerai pas contre elle, par exemple. Elle fait déjà... Oh, j'en sais rien, mais dis. Bon, c'est pas très grave, on va dire qu'on va tester comme ça. On va tester ça, allez c'est parti. Allez c'est parti les gars, on va tout simplement essayer de tester le... Enfin tu m'as compris, voilà le mortier. Attendez, on va essayer quand même de mettre ça. Voilà, donc hop, jusque là tout va bien. Je sais même pas pourquoi j'ai mis ça d'ailleurs, parce que ça ne sert strictement à rien. Bon, bah, c'est pas très grave, on va tout simplement voilà, envoyer ça. On va envoyer la petite... fléchette, enfin le truc de flèche quoi, voilà. Donc hop, c'est parti, maximum de défense. Donc on va tout simplement envoyer, regardez, il met un petit sort de rage, mais il n'y a pas de souci. Moi je vais faire pareil gros, seulement je vais te faire plus de dégâts que ça. Quoique là il en fait pas mal et c'est pas normal. Enfin bon, c'est pas très grave. En attendant, nous on va pas se fail et on va tout simplement, hop là, mettre le petit sort de rage. Et cette fois-ci nous, on va casser ta tour. Et en prime, on va casser ta tour à bombe, parce que ça fait toujours plaisir aussi. Voilà, petite tour à bombe de casser. Et en plus, on va casser ta tour principale. Non mais tu vois à quel point nous, on est des fous. Hein, voilà, donc, hein. Voilà, on casse ta tour principale comme prévu. Donc ça fait plaisir. Non attends, j'ai cru que ça allait pas le faire. Je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe là? Y a un problème monsieur? Quelqu'un vous embête? Enfin bon, voilà. Je suis désolé, mais bon, c'est... Bon. Ça aurait été un peu dommage, tu vois, que je dise n'importe quoi comme ça, bon. Alors on va mettre les petites gargouilles, hop là, maximum de dégâts. Alors est-ce que tu vas réussir à défendre contre les gargouilles par rapport à ton bombardier? Je ne pense pas. Mais bon, malgré tout, il y a le Valkyrie quand même qui était là pour soutenir, donc au final, voilà. Même si la Valkyrie était morte, ce que j'ai envie de dire, voilà, c'est que les gargouilles auraient pu défendre, de toute façon. En attendant... On va tout simplement lancer nos flèches, hein, parce qu'on a que ça à faire, de toute façon. Donc, voilà, et puis on va envoyer notre sort, enfin, oh là là, mais pourquoi je fais ça à chaque fois? Pourquoi j'attends pas? Je suis impatient, moi, je suis très impatient, c'est un truc de fou. Ah bah bon, c'est pas très grave, c'est parce qu'il va nous empêcher de faire un maximum de dégâts sur sa tour principale, voilà. Hop, on va mettre le petit mortier qui fait toujours plaisir. Pour défendre un petit peu. Voilà, bon, il est pas très puissant, hein. on l'a vu à l'œuvre, hein. Vous voyez, il fait pas non plus beaucoup de dégâts. C'est pas extrême, voilà. Donc hop, c'est parti, hop, le petit... comment ça s'appelle? Je sais même plus comment ça s'appelle, enfin bon, c'est pas très grave. Donc c'est parti, hop, voilà, maximum de dégâts. Alors il a pas compris que j'avais des flèches. Enfin bon, c'est pas très grave, il peut toujours tenter, hein, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien, donc c'est parti. Là, je pense qu'il sait qu'il est foutu. Il est foutu, hein, il est foutu, voilà. Il aura beau prendre les 2 étoiles, il est foutu parce que bah, j'ai une compo qui envoie du lourd, tout simplement. Donc c'est parti, hop, voilà, on a gagné. Donc moi, c'est voilà, toujours comme ça. Tu me prends une tour, il n'y a pas de souci. Bon, ça va. Tu prends une deuxième tour, bah, il n'y a pas de souci non plus. Hein, il n'y a pas de souci, parce que la deuxième tour... C'est comme si tu m'en avais pris qu'une, hein, ça me change strictement rien, parce que moi je vais chercher le 3 étoiles avec ce deck, donc au final ça me change rien, y a juste un problème qui peut arriver, c'est par rapport au temps, mais sinon ça va, y a pas de souci. Donc on a eu un coffre d'or, ça fait plaisir, moi je vais aller tout de suite pour une deuxième attaque, c'est parti. Et c'est parti les gars, alors dès le début on est en mode défense, donc va falloir attendre que le monsieur attaque, voilà donc parfait. On va envoyer notre petite Valkyrie, on va envoyer, comment ça s'appelle ? Nos gobelins, voilà, on va envoyer nos gobelins, donc c'est parti. Ah non, 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 c'est pas bon ça, ça c'est pas bon du tout. Donc c'est parfait, voilà, c'est parfait, il a envoyé ses... je sais même plus comment ça s'appelle, hein, tellement que je suis un peu nul. Non mais il a envoyé ses... attends, je vais vous dire ça, il a envoyé ses... C'est gargouille, c'est horde de gargouille, ouais. Il a envoyé sa horde de gargouille, ce qui va nous permettre, du coup, de pouvoir... Comment dire, ça va nous permettre de pouvoir... Ah là là là, de pouvoir justement envoyer notre combo principal... qui est extrêmement puissante, sans vraiment se soucier s'il a une horde de gargouille ou pas, vu qu'il a envoyé juste avant. Donc normalement, ça devrait le faire. Donc c'est parti, on envoie le petit sort de rage.
Jusque là tout va bien. Bon alors là il a cru qu'il allait faire quelque chose avec son dragon. Mais franchement s'il te plaît gros. Dragon, géant, non ça passe pas. Hein. Ça passe vraiment pas. Le dragon ne fait pas assez de dégâts pour être bénéfique face au géant. En attendant, voilà, on a fait un maximum de dégâts. Donc jusque là tout va bien. Là bon on va encore lui exterminer toutes ses troupes dehors de gargouille. Donc ça fait plaisir. Voilà, donc là hop, une petite défense comme ça. Donc là on va envoyer hop les petits gobelins qui vont pousser la Valkyrie jusqu'à la tour. Et ça franchement c'est une bonne technique. Je vous conseille de l'utiliser. Ça au moins c'est une technique déjà un peu plus loyale par rapport à la technique de je t'envoie une boule de feu, je t'envoie des roquettes. Enfin bon voilà, ça c'est déjà un peu mieux là. En attendant, il nous détruit la tour, mais ça c'est pas très grave, à chaque fois ça se passe pareil. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que tout simplement on va envoyer notre géant, on va envoyer notre ballon. Donc là je vais pas voir la tour de gauche parce que ça nous sert strictement à rien. Avec ce deck, faut aller voir la tour principale absolument, sinon vous ne gagnerez on va dire vous gagnerez pas. Si vous n'allez pas voir la tour principale, vous allez pas forcément gagner, ça va être plus compliqué. Parce que la personne en face, souvent, va vous faire du 2 étoiles, va vous faire du 2 couronnes, donc va vous détruire les deux bâtiments. Et donc du coup, souvent, vous serez en désavantage si vous prenez le deuxième bâtiment de la personne en face. Non, il faut vraiment que vous alliez directement voir le 3 étoiles avec ce deck. C'est un deck vraiment pour tout casser et pas pour défendre, voilà. Donc c'est un conseil, tout simplement. Et c'est parti les gars, dès le début on a tout ce qu'il faut pour attaquer. Donc on va direct passer en mode attaque. Comme ça tu vois. En mode attaque, en mode grognon. Comme ça tu vois. Enfin bon, on va vite envoyer les flèches histoire de pas trop se faire tuer quand même. Histoire de défendre un maximum. On va pas envoyer le sort de rage parce que sinon on va se faire trop casser notre tour. Et ça va servir à rien de toute façon parce qu'on va casser la tour en face. Donc vaut mieux défendre un maximum. Et voilà, ça fait plaisir. Vous avez vu ça un petit peu? Ça c'est de la bonne technique ça. Alors là il a mis... Oh mais... Mais t'es sérieux gros? T'as mis un Arc-X qui coûte 6 élixirs pour défendre le ballon? Non mais vaut mieux avoir un petit peu de dégâts sur la tour que des... Oh mais là 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 là... Mais il est fou! Mais t'imagines comme il s'est mis en désavantage là? Ouais, enfin je sais pas si c'était une bonne idée, on verra bien par la suite hein. Ça se trouve c'était une bonne idée, mais ça m'étonnerait hein. Franchement moi ça me semble pas une bonne idée. Après bon j'y connais pas forcément grand chose. Mais ouais franchement... Bon. On va envoyer ça, c'est parti. Voilà, on va envoyer le petit bombardier. Qui fait toujours plaisir, donc c'est parti, hop, voilà, maximum de dégâts. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire notre combo principal, donc on va juste attendre, parce que pour l'instant, on peut pas vraiment le faire. Donc, attendez, là on est à 9 élixirs, allez c'est parti, on envoie ça, on va essayer de garder les troupes, voilà, on va envoyer le petit ballon, on va prendre nos flèches au cas où, parce que je crois qu'il a une horde de gargouille, si je me rappelle bien. Tu vois, je sais même plus ce qu'il a, voilà, il me semblait bien qu'il avait une horde de gargouille, donc c'est parti, hop, on envoie. Et là, bon, le petit sort de rage, histoire de... Ah non, le sort de rage qui est pas passé. Ah, dommage, vraiment dommage. Le sort de rage, ça aurait pu être pas mal. Parce qu'au moins, j'aurais pu lui montrer, tu vois, que... Ah, tu vois, c'est pas de la chance, tu vois, c'est vraiment, je l'étale, quoi. Ça aurait été un peu une façon de dire, c'est qui le patron, tu vois, c'est Bibi. Voilà, bon, ça fait plaisir. Donc voilà, on a fait nos trois petites attaques. Voilà, donc trois petites attaques, tranquillou. La première attaque, on a essayé le mortier. Bon, vous avez vu, hein, il est vraiment nul, quoi. Mais après, je l'ai enlevé. Hein. Après le mortier, je l'ai enlevé. Je l'ai remis le bombardier, parce que franchement, pff, voilà. Oh, il est nul, ce mortier, mais il est nul. Il coûte 4 élixirs. Il est lent. Il fait pas de dégâts. Bah, il est nul. Enfin bon... Donc voilà, donc moi, je vais vous laisser sur ce. Et puis, du coup, je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao. Et puis, n'oubliez pas, restez cool !